Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Veux-tu m'aider à dire bonjour à celui qui est à ta droite et à ta gauche, devant toi. Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux sourire à ta sœur et à ton frère et lui dire tu es au bon endroit, maman, tu es au bon endroit ce matin. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton frère, tu es au bon endroit ce matin? Même sous les masques, il faut dire tu es au bon endroit. J'ai envie qu'on fasse quelque chose. Et quand on acclame le Seigneur différemment ce matin, je veux nous inviter à acclamer le Seigneur, c'est-à-dire comme une fraîche rosée qui va descendre ce matin. Que nos acclamations ressemblent à une fraîche rosée qui descendra ce matin. Merci. Attendez un instant. Une fraîche rosée, ça veut dire, vous savez, quand la rosée arrive, après, il y a comme une forte pluie, ça vient d'abord doucement. Et au fur et à mesure, on entend comme un bruit. Et ce matin, pour ceux qui peuvent se tenir debout, s'il vous plaît, on va acclamer le Seigneur. Voilà. Nous allons commencer avec notre petit toit comme ça. Tout le monde, on va commencer comme ça. Ensuite, on va prendre les deux doigts. Et ensuite les quatre doigts. Nos mains, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Benji. Ok. Avec notre deuxième doigt. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de vous être prêté à ce merveilleux exercice. Il mérite qu'on l'acclame. Il mérite qu'on le loue. Et ce matin, je suis porteuse d'un bon message. Ce matin, j'aimerais nous encourager au travers d'une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Vous savez, les frères, il nous arrive des fois de traverser certaines situations dans nos vies. Et face à ce genre de situation, il nous arrive de chercher le secours. On cherche le secours auprès des hommes. On cherche le secours auprès de nos moyens, de nos capacités. Et il arrive qu'on soit déçu. Parce que l'homme déçoit toujours. C'est pourquoi dans l'homme, on ne peut pas totalement compter. Parce que quand tu comptes sur quelqu'un, tu finis souvent par être déçu. Mais quand on compte sur Dieu, jamais nous ne serons déçus. Un système de honte. Quand on met toute sa confiance en Dieu. Et quand il décide de se lever pour nous. Il nous fait justice. Il relève nos visages. Il nous donne de la paix. Il nous donne du réconfort. En tout temps, nous pouvons compter sur lui. Il ne déçoit jamais. C'est pourquoi ce matin, de te dire, quand Dieu se lève pour toi, tu ne seras jamais confus. Jamais. Et le thème qui va nous encourager ce matin,
quand Dieu se lève. Tangu nzamba telemaka. OK. Trois points de suspension. Makamusu suzoya na sima. Donc qu'est-ce qui se passe quand Dieu se lève? Nini le kakata nzamba telemaka? Quand Dieu se lève. Tangu nzamba telemaka. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Nini koma kazinga zinga na biso. Quand Dieu se lève. Tangu nzamba telemaka. Comment les choses bougent autour de nous? Ngeni makamo ninga na kazinga zinga na biso. Quand Dieu se lève. Tangu nzamba telemaka. Comment les choses bougent dans ma vie? Ngeni makamo bongo na kana bomo na ngai. Quand Dieu se lève. Tangu nzamba telemaka. Qu'est-ce qui se passe? Nini le kaka. Bien-aimé ce matin. Baninga mina tongolelo. Je voudrais nous dire une chose. Na ngina biso na tongolelo. Nous pouvons être confrontés à toutes sortes de situations. Oh koma na mabakunyo somo. Et la bonne nouvelle. C'est que Dieu a toutes les réponses pour nos situations. Quand Dieu se lève, il ne regarde pas à l'homme ou à la femme qui est à côté de toi. Il regarde à sa parole qui doit s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de finir cette année 2020, je voudrais nous dire ce matin que Dieu n'a pas fini de se lever pour nous. Dieu n'a pas fini de se lever pour ta vie. Dieu n'a pas fini de se lever pour ton emploi. Dieu n'a pas fini de faire des choses dans ta vie. Si on veut te dire ce matin, continue de t'attendre à Dieu. Parce que Dieu va se lever pour toi. Parce que Dieu va intervenir pour toi. Nous sommes frères et sœurs. Dans le livre de Exode, chapitre 3, je nous invite à nous tenir sur nos pieds. Et nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 3. La Bible dit au verset 7. Verset 7. Je vais lire. Amen. J'ai vu la souffrance, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, Kouvanda. Frère. Neko. Quand Dieu se lève. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu décide de se lever pour moi. Comment est-ce que le monde voit la manifestation de Dieu? Qu'est-ce que nous devons comprendre personnellement ce matin? Quand Dieu décide de se lever pour nous, qu'est-ce qui se passe autour de nous et avec nous? Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 3. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un homme que j'admire également beaucoup. Cet homme s'appelle Moïse. Moïse est un homme qui a une très belle histoire. Vous savez, vous êtes souvent enfant et puis quand on vous raconte l'histoire de votre naissance, vous vous demandez, ah, il s'agit bien de moi. Tout cela s'est passé autour de ma naissance. Et vous entendez les gens vous dire, ah, mais toi, tu seras quelqu'un de grand. Parce que ta naissance n'était pas n'importe quelle naissance. C'est le cas de Moïse, frère. Moïse était un enfant qui est né dans des circonstances, j'ai envie de dire, difficiles pour Israël. Israël est déjà esclave en Égypte. Le pharaon, le pharaon de l'époque décide d'opprimer Israël. Le peuple est opprimé. Et pour couronner le tout, il décide de faire tuer tous les enfants mâles qui naîtraient des femmes hébreux. Alors quand
Moïse vient au monde, la Bible dit que les femmes sages hébreux avaient décidé de ne pas écouter comment dire, le conseil, sinon la loi de Pharaon. Elles mettaient au monde les garçons et d'une manière ou d'une autre les protégeaient. Et Moïse fut protégé par sa mère. Pour la petite histoire, il a été ensuite adopté par la fille de Pharaon. Moïse naît donc au milieu des ennemis de son peuple. Et pendant plusieurs années, Moïse, par la grâce de Dieu, est allaité par sa propre mère. Et je suis convaincu qu'alors qu'il était en train de grandir au pied de sa mère, cette dernière était en train de lui donner l'histoire de son peuple. Parce que la Bible nous raconte que lorsque Moïse a commencé à aller visiter ses frères, donc Moïse savait que le peuple d'Israël, les Juifs, étaient ses frères. Il quittait la maison de Pharaon et il allait rendre visite à ses frères. Et quand il arrivait au milieu d'eux, il voyait comment les Égyptiens opprimaient son peuple. Et Moïse connaissait l'histoire d'Israël. Il savait que Dieu avait donné une alliance à Israël. Il savait que Dieu devait venir délivrer Israël. Alors quand il voit un Égyptien opprimer son frère, il tue l'Égyptien et il prend défense de son frère pour son frère. Après cela, un autre jour, Moïse sort. Il visite encore ses frères et il les trouve en train de se battre les uns envers les autres. Alors il dit, mais comment pouvez-vous battre entre vous? Mais vous êtes des frères. C'est pourquoi des fois dans l'église, je ne comprends pas pourquoi des chrétiens se battent entre eux. Mais vous êtes des frères. On va respecter la distanciation. Vous êtes des frères. Mais pourquoi vous battez-vous? Pourquoi y a-t-il des disputes entre vous? Pourquoi y a-t-il des querelles entre vous? Vous savez, même Dieu, bien-aimé, la Bible dit que les Hébreux se sont retournés contre leurs frères. Et ils ont dit à leurs frères, qui es-tu pour nous juger? Pour ah, Église, très souvent dans l'Église de Dieu, on entend parler de murmures, de critiques. Et souvent, quand tu viens pour dire à ton frère, mais ce que tu fais n'est pas bien, il se tourne vers toi et il te dit, qui es-tu? A dit à ton frère, arrête ce langage. Dis à ton frère, arrête avec ce langage. Ce langage ne vient pas de Dieu. La Bible nous raconte que Moïse a pris peur et il a fui parce qu'il s'est dit en lui-même, certainement, solo, ah, si les Hébreux sont au courant, qui j'ai tué un Égyptien, ça veut dire que Pharaon aussi est informé. Alors pour sauver ma vie, je vais fuir d'Israël, de l'Égypte. Et la Bible nous raconte qu'il est allé dans un peuple où il a vécu pendant 40 ans. Après ces 40 ans, voici ce qui se passe. Bien aimé, 430 ans, Israël criait à Dieu. Israël, mais où es-tu, Seigneur? Mais où es-tu dans cette situation? Nous sommes en esclavage ici. Nous sommes opprimés par ce peuple. Pourtant, tu nous as promis que nous irons dans un pays heureux, où nous serons bien, où nous mangerons du lait, où nous prendrons du miel. Mais ici, nous sommes esclaves. Ici, nous sommes opprimés. Mais où es-tu, Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 400 ans, pendant 4 siècles, et 3 décennies, Dieu entendait les cris. Et la question qu'on se pose, mais où était Dieu? Frère, des fois Dieu n'est pas loin de tes cris. Des fois Dieu n'est pas inconscient de la douleur que tu traverses. Des fois Dieu n'est pas ignorant de la situation que tu vis. Dieu est au courant que ça ne va pas dans ta vie. Dieu est au courant que tu as tel besoin maintenant. Dieu est au courant que dans ton
travail. Tu es persécuté. Tu es empêté. Tu es au courant. Dans ta vie, ça ne va pas. Tu es au courant. C'est pourquoi, frère, quand on appartient à Dieu, on ne doit pas arrêter de crier à Dieu. Pendant 400 ans, pendant 430 ans, ils ont continué de crier à Dieu. Et un jour, Mokolo Moko. Frère, dis avec moi un jour. Loba Mokolo Moko. Dis avec moi un jour. Mokolo Moko. Quand Dieu a décidé de se lever pour Israël. Quand Dieu s'est levé. Il a fait trois choses. Que j'ai énumérées ici. Et que j'aimerais vous partager. J'aimerais que tu retiennes ceci. Quand Dieu décide de se lever pour toi. Il va premièrement venir à toi. Pour te rassurer. Il viendra te rassurer. Regardez ce qui s'est passé. Moïse était, ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu. Et ce jour-là, je suis convaincu que le cœur de Moïse était toujours vers son peuple. Et il ne savait pas comment était son peuple. Il avait essayé avec ses propres moyens. Mais il s'était rendu compte que ses moyens ne lui avaient pas permis d'aider. Bien aimé, ce jour-là, il a fait une rencontre. Tout commence par une rencontre. Papa John, tout commence par une rencontre. Quand il y a la rencontre, il y a l'assurance. Bien aimé, Moïse est sur la montagne. Et là, il voit Dieu lui parler. Et ce que Dieu fait, il commence par rassurer Moïse. Il dit, ne crains rien. Je serai avec toi. Dieu, avant d'intervenir dans ta vie, il va d'abord venir te rassurer. Dimanche dernier, le pasteur David nous a dit, ne t'inquiète de rien. Ça veut dire que quand Dieu vient te dire ne t'inquiète pas, c'est qu'il est déjà en train de préparer une solution pour toi. Moïse, je serai avec toi. Moïse, prends courage. Sois rassuré. Sois je connais la situation. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, je suis avec toi. Bien aimé, il y a une attitude qui peut faire que Dieu nous frappe. C'est le doute. Dans le livre de Luc chapitre 1, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Zacharie. La Bible dit que Zacharie était haché. La Bible dit que Zacharie était haché. La Bible dit qu'il était marié à Élisabeth. Élisabeth et Zacharie étaient hachés. Zacharie était haché. Mais il servait Dieu avec persévérance. Et il n'avait pas d'enfant. Mais la Bible nous dit qu'il servait Dieu. Avec persévérance. Et un jour, alors que Zacharie s'apprêtait à faire le service dans le temps, Dieu décide de venir à lui. Et Dieu lui parle. Et il lui dit, Zacharie, tu seras bientôt papa. Nous allons lire Luc chapitre 1. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Et que tu lises avec moi. Luc chapitre 1. Amen. Le verset 11. Amen. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alléluia. Luc chapitre 1, le verset 11. La Bible dit. Et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Amen. Zacharie fut troublé. Amen. En le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été. Donc ça veut dire que, fort avancé en âge, Zacharie n'avait pas fini de s'attendre à Dieu. Zacharie savait que Dieu devait se lever pour lui. Il était persévérant. Alors Dieu vient lui dire,
au travers de son ange. Ne crains pas. Ta prière a été exaucée. Et il commence à lui dire, voici ce qui va se passer. Tu apporteras un fils. Amen. Il sera grand. Amen. Au verset 16, on dit, il ramènera plusieurs des fils. Amen. Au verset 17, on dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Après toutes ces grandes choses, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée. Ok. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas. Dieu a d'abord rassuré Zacharie. Il a commencé par lui dire, l'Éternel est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ta prière a été exaucée. Tu auras un fils. Il marchera devant l'Éternel. Il sera fort et puissant. Bien-aimé. Zacharie a douté. Zacharie a douté. Pourtant Dieu l'a rassuré. S'il y a une chose que Dieu est, c'est le doute. C'est pourquoi il dit mon juste vivra par la foi. La foi. Mon juste. Celui qui m'appartient. Vit par la foi. Quand Dieu se lève, il vient d'abord te rassurer. Quand Dieu va te rassurer, frère, sœur, ne doute pas. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer, Seigneur, je te fais confiance. Merci pour ce que tu viens de me dire. Merci parce que tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu le feras. Je te loue, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que je t'appartiens. Tu es le Dieu de miracles. Loue Dieu. Bien aimé, Zacharie a douté. Mais à côté de cela, Dieu va parler à Marie. L'ange Gabriel, moi c'est Gabriel, le fort de Dieu, celui qui se tient à côté de Dieu. Oh, il vient voir Marie. Et il dit à Marie, au verset 34. Amen. Non, pas au verset 34. Le verset 27. Amen. Au sixième mois, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Okay. Dieu rassure toujours. Frère, on sert un bon Dieu. Amen. Non, sincèrement, frère, on sert un bon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Il dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie est en train de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'ange est venu me parler. Mais qui suis-je? Elle était en train de, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et voici, tu deviendras, il dit, ne crains point, il rassure encore, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il régnera. Donc il dit la même chose que l'a dit à Élisabeth. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Marie est en train de s'étonner. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Marie a lobby. Je suis la servante du Seigneur. Nazali moumou qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez la différence entre Zacharie et Marie? Marie dit, je suis la servante du Seigneur. S'il a décidé de m'utiliser pour cela, que sa volonté soit faite. Frère, quand Dieu te rassure, accepte d'être rassuré. Parce que Dieu, avant de se lever autour de toi, il va d'abord se lever en toi pour dresser un refuge en toi, pour dresser une haute retraite en toi. Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai
crains de rien. L'Éternel va te rassurer dans ce lieu de travail où tu es persécuté. Je dresse autour de toi une armée et personne ne pourra t'atteindre. L'Éternel te rassure dans ta famille. L'Éternel te rassure dans ton ministère. L'Éternel te rassure dans tes projets. L'Éternel vient te rassurer. Ne doute pas. Ne doute pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand Dieu se lève, il vient d'abord intervenir dans ta vie. Il vient d'abord te rassurer. Il vient te rassurer. Il vient te rassurer. Vous savez, quand un père se lève de sa chaise pour aller vers son enfant, son fils ou sa fille, il peut se lever pour réprimander, pour encourager, pour guérir, pour faire n'importe quoi. Mais avant toutes ces choses, vous allez constater que même en tant que parent, vous rassurez. Ne t'inquiète pas, hein? Ça va aller. Est-ce que vous ne le faites pas? Vous ne le faites pas? Est-ce que vous ne rassurez pas? Si les hommes peuvent le faire, à combien plus forte raison notre Père. Ce matin, Dieu te dit, quand je me lève, je viens d'abord pour te rassurer. Parce que je sais ce que tu traverses. Je te rassure pour que tu saches que je suis avec toi. Et pour que tu gardes ta confiance en moi. Et Moïse était déjà rassuré. Parce que Moïse avait beaucoup de complexes. Moïse se demandait comment cela va se passer. Pharaon, moi qui ne sais même pas parler, mais Dieu l'avait rassuré. Et là, on voit un Moïse différent. On voit un Moïse transformé. On voit un Moïse révigoré. Quand Dieu te rassure, tu peux voir le Goliath devant toi et tu dis, laisse-moi passer. Quand Dieu te rassure, tu peux voir ta situation et puis rien ne va se passer. Dieu m'a déjà rassuré. Amen. C'est pourquoi, frère, dans le monde de creepers, dans le monde de crainte, l'Église doit rester rassurée. Parce que 1000 tomberont à notre droite, 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. La deuxième chose que Dieu fait, quand Dieu se lève, la deuxième chose qu'il fait, il se fait connaître sous un autre nom. Quand Dieu se lève dans ta vie, quand Dieu se lève, il vient avec un autre. Il vient avec un autre nom. Quand Dieu se lève, Papa John, quand Dieu se lève, Maman Grace, il vient avec un autre nom. Tu le connaissais hier comme, aujourd'hui tu le connaîtras comme. Ah, je t'aime Jésus. Lisons le livre de Exode, chapitre 6. Amen. Exode chapitre 6, le verset 1, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Je me suis fait connaître à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, le Dieu Tout-Puissant, celui qui fait des prodiges. Je me suis fait connaître comme ça. Mais maintenant, je viens sous un autre nom. Je viens sous le nom de l'Éternel. L'Éternel veut dire Yahvé.
L'éternel veut dire le Dieu qui existe par lui-même. L'éternel veut dire celui qui n'a ni fin ni commencement. L'éternel veut dire Alpha et Omega. L'éternel veut dire celui qui est. L'éternel veut dire l'Alpha et l'Omega. L'éternel veut dire l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. L'éternel n'est pas compris dans le temps. Il dit à Moïse, tu m'as connu comme le Dieu qui fait des miracles. Maintenant, tu vas me connaître comme le Dieu qui n'a ni commencement, ni fin. Le Je suis. Ah, maman grâce. Maman grâce. Dans le Je suis, il y a le pourvoyeur. Dans le Je suis, il y a le guérisseur. Dans le Je suis, il y a l'éternel fort dans les combats. Dans le Je suis, il y a le père de l'orphelin. Dans le Je suis, il y a tout. Azali Yoso. Tout. Yoso. Tout. Yoso. Moïse. Moïse. Je viens maintenant Naesiko dans toute ma révélation. Je viens me montrer à toi dans toute ma révélation. Frère, quand Dieu se lève, il vient avec un nom qui te dépasse. Quand Dieu se lève, il vient avec un nom qui t'étonne. Quand Dieu se lève, ah papa Kélor, il vient avec un nom qui te dépasse. Parce qu'il n'est pas limité dans le temps. Parce qu'il n'est pas compris dans ton petit temps. Il est éternel. Il est le Dieu d'éternité en éternité. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu. C'est le Dieu de cette église. C'est le Dieu de l'église. Il n'est pas compris dans le temps. Il est le Dieu éternel. Quand Dieu se lève, il vient à toi différemment. C'est pourquoi tu peux faire 100 ans sur la terre, 200 ans sur la terre, tu ne connaîtras jamais aussi Dieu parce qu'il est infini. Il est au-delà de ton intelligence, il est au-delà de ta sagesse, il est au-delà de tes forces. Moïse, maintenant tu vas voir le Dieu que je suis. Quand Dieu se lève, il vient à toi sous un autre nom. Et ce matin, il viendra à toi sous le nom dont tu as besoin. Ok. Alléluia. 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 Il viendra à toi sous un autre nom. Et quand vous lisez Exode, papa Kélor, les magiciens égyptiens ont essayé de défier Dieu. Mais après la deuxième ou la troisième plaie, ils étaient KO. Dieu, il dépasse. Les ennemis sont confondus. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, on doit être rassuré d'une chose. Notre Dieu porte tous les noms. Okay. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute paix. Il est le Dieu de toute transformation. On te regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? J'ai rencontré le Je suis. Et il a transformé ma vie. On te regarde et on te dit, mais comment cela s'est passé? Tu leur dis, j'ai rencontré le Je suis. Il est descendu et il a intervenu. Ce matin, église, sois encouragé parce que Dieu vient à toi sous le nom dont tu as besoin. Sous le nom dont tu as besoin.
tu as besoin. Il est le je suis. Il est le je suis. L'éternel. Fort dans les combats. Makasi. Makasi. Amen. Amen. Merci. Amen. Église. Et Tonga. Ton Dieu est vivant. Nzambe na za na bomoi. Église. Et Tonga. Ton Dieu est redoutable. Nzambe na za lia nguya. Église. Et Tonga. Ton Dieu est éternel. Nzambe na za lia umela. Église. Et Tonga. Ton Dieu est éternel. Nzambe na za lia umela. Ah, il est éternel. Azalia umela. Azalia Oumela. Il est éternel. Azalia Oumela. Qu'est-ce que ce combat devant l'éternel? Qu'est-ce que ce défi devant l'éternel? Rien ne peut l'arrêter. Il est éternel. Azalia Oumela. Il n'a pas de commencement. Azalia Oumela. Il n'a pas de fin. Azalia Oumela. Ton problème est compris dans ça. L'icambonaise n'a qu'à t'attendre. Intervalle ouvert l'infini. Kobandana esike esu. Moins l'infini. Plus l'infini. Je n'étais pas bonne en maths, mais je sais que moins et plus existent. Amen. Dieu, et ton problème est dans ça. Yo, li kamuno nesa na katikati wana. Ton Dieu, il. C'est comme s'il disait à Moïse. Et ça, le quoi, n'est-ce pas, Moïse? N'aie pas peur, Moïse. Kobanga te Moïse. Je sais déjà ce qui va se passer. Na yebe loko ekoleka. Parce que je suis omniscient. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Église, et nous devons prendre conscience et que nous servons un Dieu qui sait déjà tout. Donc, même mon problème, ton problème là, Dieu sait déjà. Et dans ce qu'il sait déjà, il est omnipotent. Il peut tout. Dis à ton frère, arrête de t'agiter. Tika komi tungisa. Omnipotent est là. Oya zana ngwele osazali wana. Croyons en Dieu. Tondi melanzambe. Troisième point. Yamisatu. Quand Dieu décide de se lever, la nature et tout ce qui existe lui obéissent. Quand Dieu décide de se lever pour toi, papa. Amen, maman. Amen, papa. Quand Dieu décide de se lever pour toi, la nature et tout ce qui existe lui obéissent. Papa Albert, quand Dieu décide de se lever pour toi, papa Albert, la nature et toutes les circonstances autour de toi lui obéissent. Même le diable attaque au satana obéit à Tosaka. Et puis la on sima, sert un Dieu comme ça dans tosa na nzamba bongo, on est tout le temps triste, tosabiso nyoso na mawa, tout le temps abattu, tosa ya kolemba, tout le temps désespéré, kolemba à la vie pomme. Ah na kufa ta okufa na lembi, tu ne connais nalé, j'aime ça na lembi. Tu ne connais pas ton Dieu. Mais quand Dieu se lève, 430 ans ont passé. Il s'est levé. Père, n'aie pas peur. Le temps, il s'appelle le temps. Il est même en dehors du temps. Ne t'inquiète pas. Ah, maman grâce, ne t'inquiète pas.
Deko. Ne t'inquiète pas. Komi tungisate. Pasteur Gaël, ne t'inquiète pas. Il est en dehors du temps. Azali banda tango. Il est en dehors du temps. Azali banda tango. La nature va obéir. Bikele mokoto sa. Arrête de dire ma vie est finie. Atango lobina tsuki. Ta vie ne fait que commencer. Ah, bon mon ebaninde wana. Parce qu'il est le commencement. Pour n'aller à Salé Bandeli. Exode, chapitre 14. Exode chapitre 14. L'un des chapitres que j'aime dans la Bible. L'histoire nous est racontée, frère. Pharaon, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Depuis la première plaie. Jusqu'à la dixième. Dieu endurci le cœur de Pharaon. Bien aimé, vous savez, quand vous priez, et vous priez encore, et que rien ne se passe. Deux fois, Dieu endurcit le cœur de vos ennemis pour faire éclater glorieusement sa gloire. Connaissons notre Dieu. Seigneur, mais où es-tu? Dieu endurcit. Parce que quand la gloire va éclater, l'histoire va se faire connaître de génération en génération. On parlera de ce qu'il a fait dans ta vie. Frère, ce jour, Pharaon laisse partir le peuple. Tout le peuple est en train de sortir d'Égypte. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de danser. Oh, Dieu nous a fait du bien. Il a même tué tous les enfants premiers-nés d'Égypte. Il a préservé nos enfants. Ah, Dieu nous aime. Ils sont en train de chanter. La Bible dit, Pharaon, il va prendre son armée. 600 chars. Et tous ces chars après. Et tous ces combattants. Poursuivant Israël. Frère, Pharaon était armé. Pharaon était armé. Pharaon était armé. Pharaon était armé. Même si le diable est armé comme tout. Satan qui marche devant toi. C'est une colonne de nuit. Le jour et la nuit, une colonne de feu. Même s'ils sont armés, même s'ils sont plus nombreux que toi, même s'ils semblent forts, celui qui marche avec toi est plus fort. Il est plus fort. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort. Ce jour-là, le peuple d'Israël a vu les Égyptiens arriver. Ils ont commencé à paniquer. Les Égyptiens les poursuivirent. Au verset 9. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, ils les atteignirent campés près de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Frère, quand ils arrivent, continue de crier à Dieu. Quand ils sont nombreux, continuons de crier à Dieu. Dieu est là. Pendant qu'ils étaient en train de crier, la Bible dit, Dieu parle à Moïse. Il dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, ne craignez point les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Les problèmes qui te perturbent aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Frère, bouscule ton frère, bouscule-le. Bouscule. Il n'y a pas le corona quand on bouscule. Il y a ton frère ne dort pas. Sinon, le pasteur Gaël va citer ton nom. Pasteur Gaël, autant à combien de frère, arrête de dormir. Frère, Deko. Il paniquait. Baba, n'est-ce qu'on s'en a mis tout ici? Il n'avait pas conscience que quand Dieu se lève, l'inattendu arrive.
Quand Dieu se lève, l'impensable arrive. Quand Dieu se lève, la nature obéit. Et même les ennemis obéissent. Parce que Dieu doit faire éclater sa gloire. Ils étaient en train d'arriver. Et Dieu regarde la mer. La mer était devant eux. La mer était rayée. C'était une mer qu'on ne pouvait pas traverser. Les Égyptiens étaient derrière. La mer était devant. À gauche et à droite, il n'y avait pas de solution. C'est dans cet état de fait que Dieu trouve une solution. Chrétien, deux fois Dieu jette les problèmes dans nos vies pour qu'il apporte les solutions lui-même. Une fois ta vie est devenue trop naturelle, alors Dieu, pour te montrer que tu es une personne extraordinaire, il apporte même les problèmes pour te rappeler que tu sers un Dieu tout puissant. C'est pourquoi un chrétien qui pleure devant les problèmes, c'est encore un bébé. Parce que c'est les bébés qui pleurent pour tout et rien. Arrête d'être un bébé. Frère, arrête d'être un bébé spirituel. Dieu peut apporter les problèmes pour qu'il se lève pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a pris mon père, j'étais jeune. Je ne savais pas que Dieu avait permis qu'il parte. Pour que je découvre que Dieu peut être un père. Un Dieu tout puissant. Quand Dieu t'enlève quelqu'un qui est cher pour toi, ne pleure pas comme les païens. Ma vie est finie. Nabemi. Le travail là, je comptais sur ce travail. Il m'a tout enlevé. Non, ne panique pas. Dieu est avec toi. Les Égyptiens arrivaient. Dieu était là. Ce qui est bizarre. L'église de foi, nous sommes, Seigneur, aide-nous. Hein? La colonne de nuée était toujours là. Mais ils se lamentaient toujours. La colonne était toujours là. Donc, le symbole de la présence de Dieu était toujours là. Mais ils continuaient de se lamenter. Combien de fois nous nous lamentons? Même quand Dieu est là. Alors Dieu décide de parler à la nature. Il parle à la mer. Il dit à la mer, lève-toi et laisse passer mon peuple. C'est mon peuple. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Dieu est allé jusqu'au détail. Il n'a pas permis qu'il marche sur un sol mouillé. Il ne fallait pas qu'il se salisse. La Bible dit à sec. La Bible dit à sec. Donc la mer s'ouvre. Et bah, les fous, le sol qui est censé être humide, ma belle, fallait bon, Dieu le rend sec. Zamba, pour que Israël passe. Bon, Israël le pour que son peuple passe. Bon, pour que ses enfants passent. Bon, Église, et pour que tu passes. Dieu parle à la nature. Zamba, pour que tu passes. Dieu parle aux circonstances Zamba, de ta vie. Pour que tu passes. Dieu parle au diable. Zamba, arrête de t'inquiéter. Quand Dieu se lève, Zamba, la nature obéit. Parce que tu es le peuple de Dieu. Ce matin, frère, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais te dire, Dieu va se lever pour toi. Quand Dieu va se lever, il commencera d'abord par te rassurer. Ne doute pas. Parce qu'en regardant ton problème, cela semblera grand à tes yeux. Ne doute pas. Fais-lui confiance. Parce qu'il est Dieu. Frère, quand Dieu se lèvera pour toi, il se révélera comme un autre Dieu. Commence à le louer. Quand Dieu se lèvera pour toi, même le diable sera confondu. Frère, ce jour à Golgotha, okay. Satan était heureux. Satan était content. Satan était content.
Parce que Jésus est en train d'être crucifié. Satan se disait, tout est gagné pour moi. Frère, ce jour, Jésus était mort. Et Satan se réjouissait. Il ne savait pas que Dieu était en train de l'utiliser comme un pion pour que toute la gloire revienne à un seul nom. Frère, Satan n'est pas au courant de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Satan ne sait pas ce que Dieu te réserve. Deux fois il pense avoir gagné, mais Dieu est en train de l'utiliser pour que ta gloire soit plus grande. Ce matin, église, je veux que tu retiennes une chose. Quand Dieu se lève pour toi, il utilise même les circonstances de ta vie pour que cela soit un tremplin pour t'emmener plus loin. Alors n'aie pas peur de tes filles, des problèmes, des situations, de l'annonce d'un médecin. N'aie pas peur du temps que tu vis, du pays où tu te trouves. Car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu te donne la victoire, qui pourra se lever? Dieu est au-dessus de tout. Il est fidèle. Il ne change pas. Il est Dieu. De génération en génération. De génération en génération. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Il ouvrira un chemin pour toi. Il est ton Dieu. N'aie pas peur. Pose un acte de foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Je veux que tu loues le Seigneur. C'est-à-dire que tu l'élèves. En lui disant merci Seigneur parce que tu es là. Dis-lui Seigneur, je sais que tu es là. Je veux que tu regardes ta vie ce matin. Et je veux que tu confirmes de la présence de Dieu dans ta vie. Que tu lui dis Seigneur merci. Tu es là. Tu me rassures. Tu me rassures. Ta présence est là. Tu ne m'abandonnes pas. Tu me dis ne crains rien. Je suis avec toi. Seigneur, merci pour cette situation. Merci pour ce problème. Mon âme te loue. Je sais que tu es là. Élève la voix. Bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce que tu vis maintenant. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Rends la gloire à Dieu. Loue Dieu. Lève ton Dieu. Célèbre Dieu. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa présence. Reconnais son autorité. Ah, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es présent. Tu es mon Dieu. Tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu es là. Tu es ma victoire. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Je sais que tu es là. Bénis le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. En cette fin d'année, commence à louer Dieu. Élève le Seigneur. Église, élève Dieu. Église, bénis Dieu. Seigneur, je sais que tu es là. Tu es mon Dieu. Tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Parle à Dieu. Seigneur, tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Pour me faire du bien. Je sais. Tu es là, Seigneur. Élève Dieu, élève-le, élève-le. Élève sa présence. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Élève-le. 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 Et la bouche. Tu es là, Seigneur. Élève Dieu, élève
Donne-le ce matin. Élève-le ce matin. Devant ton mariage, devant ton ministère, pour ta famille, dis à Dieu, je sais que tu es là. Seigneur, bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Élève ton Dieu ce matin. Ah, élève ton Dieu ce matin. Frère, élève-le ce matin. Élève-le pour sa présence. Dans ta vie, élève-le, élève-le, élève-le. Parle à Dieu. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Je reconnais que tu es là. Je reconnais que tu es fidèle. Je reconnais que tu es mon Dieu. Devant cette situation, je sais que tu es là. Ce matin, je déclare que tu es là. Ce matin, je proclame que tu es là. Ce matin, je proclame que tu es au-dessus des situations. Ce matin, je proclame que tu es au-dessus. Ce matin, je déclare que l'ennemi fuit devant moi. Ce matin, je déclare que 2020 est béni. Ce matin, je déclare que ta gloire est là. Ce matin, je déclare. Élève Dieu ce matin. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le ce matin. Élève le Seigneur. 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 Élève-le. Élève-le. Église, élève le Seigneur. Je t'élève ce matin. Je t'élève ce matin. Je t'élève ce matin. Je t'élève ce matin. Oh, je suis convaincu que tu agiras. Je t'élève ce matin. Je t'élève. Je t'élève. Thank you.